Ok, salut, c'est Thierry. On va se faire la première séance du jour. La première séance du jour, du coup, on va commencer par se faire un Cooper pour se tester. Un Cooper, pour ceux qui connaissent pas, ça va être 12 minutes de course à pied où faut aller à fond, faut essayer de faire le plus de distance possible. Ok, donc je vais voir où j'en suis. Je sais que quand je suis, quand je pense que je vais faire autour des 3000. Ok, quand je suis en forme, je fais 3200. Quand je suis en moyenne forme, je fais 3100. Donc j'espère faire 3100, ce serait bien. Et quand j'étais plus jeune, je faisais 3300. Mais là, c'est plus le cas. Mais bon, le but, ça va être de récupérer ce niveau petit à petit. Donc c'est un truc qui fait très mal, hein. 12 minutes, vous pouvez le tester. Il faut faire autour d'une piste. Donc le mieux, c'est de trouver une piste de 400 mètres. Comme ça, vous savez où vous en êtes. D'identifier bien les paliers de 100 mètres à chaque fois. Pendant 12 minutes, vous courez au taquet le plus vite que vous pouvez. 12 minutes, vous stoppez le chrono et puis après, vous regardez combien de distance vous avez fait, quoi. Et le but, c'est ça, c'est de s'approcher des 3000 et après, pour les meilleurs coureurs, bah, dépasser les 3002, 3003. Okay? Du coup, d'abord, on va faire 2 km pour s'échauffer, courir tranquillement 2 km. Ensuite, on fait le Cooper et ensuite, on refinit par 2 km. Et après, on passera à une autre séance de renforcement musculaire tranquillement, mais ça, je vous le dirai. Hein, donc là, c'est la première journée, on commence tranquille. Cooper, ça fait déjà mal. Ok, fin des 2 premiers kilomètres d'échauffement. Vous voyez, je suis en légère sudation, c'est ça qui est bon. Voilà, au niveau des pulsations, il faut que ça soit inférieur à 160, entre 140 et 160, on va dire. Là, voilà, vous voyez, j'ai un peu trop accéléré pendant l'échauffement. Hein, je suis monté à 157. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il faut un peu pour le Cooper, hein, préparer le cœur. Et puis voilà, allez. Il me reste 50 mètres à marcher à pied. Puis c'est parti pour le Cooper. Ça va être dur. Ok. Voilà. Fin du Cooper. Bah, comme je m'y attendais, j'ai été mauvais. Je suis parti trop vite en plus. Mais bon, ça c'est comme d'hab. Mais donc, du coup, pas bon, 2009. Ok, 2900. Donc là, le but, au moins, je sais où j'en suis maintenant. Le but, c'est fin de prépa, de taper les 3002, quoi. Ok, on va partir sur 2 km de récup, tranquillement. Donc forcez-vous à les faire, ces 2 km. Là, tout de suite, on n'a vraiment pas envie de les faire, mais il faut. Et ensuite, du coup, à vous de tester le Cooper. Laissez-moi en commentaire combien vous avez fait. Sans tricher, hein, moi j'ai pas triché, j'aurais pu dire j'ai fait 3100, mais je m'en fous. C'est pas vrai, j'ai fait 2009. C'est la vie. Là, je vais m'entraîner, ça ira mieux la prochaine fois. Allez, on est parti pour 2 km. Et après, renforcement musculaire tranquillement, c'est la reprise. Ok, fin des 2 km de récup. Voilà, vraiment allure tranquille, hein, comme vous voyez. Allure 5,53. 2 km, allure 5,53, donc récup tranquillement. Allez, maintenant on va passer au renforcement musculaire. Donc 1 minute de planche de face, 5 tractions, 10 pompes. Et ça, on va le faire 6 fois. Voilà, travaillez bien les mouvements tranquillement. Le but là, c'est vraiment c'est la première séance, donc tranquille. Ok, allez, à tout de suite. Ok, c'est parti pour 1 minute de planche. Alors. Pour la planche, hein, veillez bien à garder le dos droit, à pas trop lever vos fesses ni trop les baisser. Alors ça, la planche, c'est un super exercice. Et en plus, je fais ça pourquoi? Parce qu'il y a ça au test d'entrée du stage où je dois aller. 2 minutes de planche et après, je commence à faire le parcours. Et top, on enchaîne sur les 5 tractions. Ok, ensuite on enchaîne avec les 10 pompes.
Ok, voilà. Et ça, on le fait 6 fois et après, ça sera fini.